Bonjour, dans cette vidéo, on va voir ce qu'il faut faire quand votre pavé numérique ne répond pas malgré qu'il soit allumé. C'est parti! J'ai déjà eu le cas chez pas mal de clients, ils doivent faire une fausse manip au niveau du raccourci clavier, j'arrive pas à l'expliquer. Donc si vous trouvez la solution, dans les commentaires s'il vous plaît. Souvent, le pavé numérique est allumé et on a beau appuyer sur les touches, il ne se passe rien. En fait, il y a une fausse manip qui a été faite et je vais vous montrer comment revenir en arrière. Allez, ça va être sur un PC portable. Nous voilà sur notre PC portable. Comme vous pouvez le voir, donc le pavé numérique est allumé. On l'allume. Je vais ouvrir un document texte, mais en fait il se passe rien. En fait, s'il se passe quelque chose, on veut taper nos chiffres, donc on éteint, on tape, on pense qu'il se passe rien, mais si vous regardez bien, si je reste appuyé sur le 4, fait légèrement bouger ma souris. En fait, il y a tout simplement une fausse manipulation qui a été faite. Pour la régler, vous lancez les paramètres, donc menu démarrer, recranter paramètres. Ici, vous tapez numérique. Et là, quand on tape numérique, on voit activer ou désactiver les touches de la souris. C'est tout simplement cette mauvaise manipulation qui a été faite. Si on le désactive, on va voir que j'ai récupéré mon pavé numérique. Voilà, donc c'est tout bête, je vous remonte le chemin. Menu démarrer, paramètres, dans la barre de recherche on tape numère, numérie. Et là, on a souris, contrôlez votre souris avec un pavé numérique et il faut bien qu'il soit sur désactivé. Voilà pour cette petite vidéo courte. Je vous remercie de l'avoir suivi. À bientôt !